Allez, avec Benjamin Biot pour cette troisième manche. Donc, mon Ben, ton analyse sur cette place pour ta troisième manche, une bonne place sur le papier. Tu finis avec un bon tirage. Ton sentiment ? Ben, mon sentiment, c'est qu'on verra vraiment à la fin, car on sait très bien que les poissons peuvent bouger, surtout avec le vent qui s'est levé. Ouais. Donc, il y a quasiment eu très très peu de vent pendant deux jours. Bon, après, moi, on verra bien si ça rentre ou pas. Hein. Je m'inquiète pas plus que ça. Et ça sera vraiment la surprise. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, c'est pas grave. Moi, de toute façon, il faut essayer de marquer 3 points maximum si je pense rester sur le podium. D'accord. Objectif la gagne, forcément. Voilà. Objectif la gagne, mais bon, le podium, la troisième place me va. Ouais, bah oui, voilà, forcément. Ouais. Voilà. Un secteur assez finalement relevé, parce qu'il y a Franck dans le secteur. Très beau secteur. Et puis après, il y a plusieurs personnes aussi, pêcheurs, qui sont limite avec le maintien. Et, ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ne prendront pas de risque, les gens, normalement. Voilà, c'est ça. Ouais. L'avantage, c'est que les gens vont pêcher pour essayer de prendre le moins de points. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas y avoir trop de stratégie, en tout cas. La stratégie restera la même. Personne ne va prendre de risque à pêcher les carpes. De ce que je vois, hein. Après peut-être pas. Oui, bien sûr, on verra avec l'analyse, hein, mais le retour. Pour moi, de ce que je vois, je pense que les pêcheurs, connaissant les pêcheurs, ouais, ça va rester. Et puis au pire des cas, les carpes, s'ils s'en touchent, ça sera vraiment sur le bas du secteur. Donc, tout à fait. Voilà. Et comme au bas du secteur, c'est que des gens qui jouent le maintien. Oui, ouais. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Pas trop stressé, toi, c'est pas dans ton tempérament. Non, je suis plus stressé, moi j'ai arrêté. Avec les gamins, je stresse plus pour aller à la maison qu'à la pêche. Bon, au niveau stratégie, tu as changé quelque chose par rapport à tes deux premières manches ou tu restes exactement pareil? Pas du tout. Pas du tout. J'ai gardé la même chose. Ouais. Rajouter 2-3 petits trucs en plus, mais. D'accord. Pour essayer de plus viser les plaquettes. D'accord. Au niveau du bac, du coup? Non, le bac, j'ai gardé le même, puisqu'il marchait. Au niveau des produits, il marchait très bien. Au niveau des éches. Au niveau des éches, surtout. Ouais. D'accord. Voilà, donc non, il n'y a pas de. Pas de changement significatif. Stratégie. Ça reste la même, à part 2-3 petits trucs, mais vraiment, c'est très, très infime. Voilà. Ouais. De toute façon, l'objectif, c'est de tout prendre. Donc, la stratégie reste plus ou moins la même. Hein. Non, tu as fait deux belles manches, il faut dire ce qui est, avec un tirage qui n'était pas évident non plus. Là, tu as forcément la meilleure place, je pense, de ton tirage. Normalement, sur le papier, c'est la meilleure place. C'est la meilleure place. Après, forcément, on attendra la fin. Voilà. Mais c'est ce que je vois, en tout cas, à mon niveau. Hein. Voilà. Tu finis sur une bonne place. Voilà, je finis sur une place normalement correcte. Bon, écoute, voilà. Ben, je te souhaite. Très bonne, plus que correcte. Oui, tout à fait. Elle a gagné deux fois cette place ou pas? Elle a gagné deux fois, mais comme je t'ai dit, ça va dépendre de plein de paramètres. Oui, si les poissons vont bouger. Il s'est rejeté à chaque fois plein de poissons. Après, hier, l'avantage, c'est que malgré qu'il s'est jeté du poisson là, il s'est jeté plein de poissons partout. Tout à fait. Ouais. Ça a été régulier partout hier. Très régulier. Il y a eu du poisson. C'est finalement le secteur qu'on disait le plus difficile et qui est finalement le plus régulier. À part et cette place-là qui a explosé tout le monde avec voilà. Là, normalement, après hier, je ne sais pas comment il a pêché, c'est bizarre. Ouais. Mais en soi, c'est régulier. Hein. Tout à fait. Il y a trois places qui étaient très bonnes. Le 3. Ouais. Le 3, le 11 et le 12. Voilà. Donc Olivier, toi et le voisin, je ne sais c'est pas Manu. Ah oui, c'est Manu Gouilleux, tout à fait. Oui. Bon. Donc à voir. Bon Ben, je te souhaite bonne chance pour cette dernière manche avec, j'espère, la chance de te reprendre un mot. À la fin de ce championnat. J'aimerais bien. Sur le podium avec une belle médaille autour du cou, ça serait sympa. Ça ferait bien. Merci mon Ben de prendre le temps, c'est sympa. Pas de soucis, merci. Allez, contrôle d'Olivier. Numéro 3, au menu. Qu'y a-t-il, mon cher Olivier? Ok. D'accord, donc maximum 12 litres. On est dans les clous. Au niveau de l'èche, des èches. 1 litre. D'accord. 1 litre et demi. Ok. D'accord. Au niveau de la pointe, tu as les vers de terre ici et puis les deux vaseaux. Rien d'autre à signaler? Non. Les bourriches sont là. Ok. De toute façon, rien à signaler. Contrôle validé. Thank you.
Allez, mon Francky, ton état d'esprit en abordant cette troisième manche? Ben, l'état d'esprit, il est bon. Ouais. On va dire qu'on va se battre. Ouais. Après, quand on regarde sur le papier, ben, on se dit que la place, elle est rude. Ouais. Il n'y a pas les mêmes conditions qu'il y a eu les deux premiers jours. Donc, on a le vent qui nous vient dessus. Peut-être qu'avec un peu de chance, les poissons seront rabattus sur mon côté de secteur parce qu'on est... On est en cul de vent, quoi. Ouais. Donc on va espérer que ça apporte un petit plus par rapport aux deux premiers jours. On s'accroche à ce qu'on peut. Mais on va faire ce qu'on a fait les deux premiers jours, rien lâcher, et puis on verra à la fin ce que ça dit. De toute façon, ouais, objectif, de toute façon, zéro regret. Voilà, c'est ce que j'ai été demandé. L'objectif, c'est quand même la victoire. La victoire, zéro regret, et surtout rien regretter. Ouais. Parce que la victoire, oui, c'est sûr. Ah, c'est un objectif. C'est sûr qu'elle tend les bras, ça, c'est certain. Ouais. Mais après, il faut se dire que la pêche, ça va vite. Et bien pêcher ces places, bien pêcher celle-là. Surtout celle-là. Je pense que ça, c'est la plus difficile de ton tirage, je pense. Voilà, celle-là, c'est la plus dure à aborder. Ouais. Donc on verra. Tu l'as abordé d'une manière différente ou au contraire tu l'as de manière, je veux dire, similaire à tes deux premières manches? Non, à peu près pareil, sauf que bon, le vent va certainement changer 2-3 bricoles au niveau des choix de cage et du réglage. Et peut-être du bac. Ouais. Voilà, peut-être le bac changera un petit peu en cours de pêche, ça va dépendre du vent. Mais on va voir. Bon, ok mon Francky, bon, pas trop stressé quand même? Non, ça va? Non. Ça cogite un peu? Ça cogite comme tout championnat, quand on est bien classé ou même mal classé, qu'on doit essayer de se maintenir, machin. On cogite toujours, puis après, quand on attaque la pêche. Faut attaquer la pêche. Quand on attaque la pêche, il y a tout qui s'évapore après. Bon, allez, mon Francky, je te laisse tranquille. Et puis, forcément, je te souhaite que du bon pour cette dernière manche. En espérant t'en reprendre un petit mot après, avec un petit maillot tricolore, ça serait sympa. J'espère qu'il soit joyeux. Merci, Francky. Ciao, ciao.
Trois jours qu'on se voit, donc voilà. Alors, je voulais vous remercier d'être venu. Hein, voilà, je voulais m'excuser pour toutes les mauvaises blagues que j'ai fait pendant ces trois jours. Et je vous rassure, l'année prochaine, j'en ferai d'autres. Voilà, donc merci à tous d'être venus. Il a fait beau, on a un superbe plan d'eau, on a une municipalité accueillante. Je voudrais dans un premier temps remercier le CR Occitanie et le CD 82, je les mets dans le même sac puisque c'est le même président. Hein, voilà, toutes les petites mains qui nous ont aidés. Ouais. Donc maintenant, je vais passer la parole à monsieur le président du CD 82 qui va vous dire quelques mots et qui vous a présenté toutes les gens qui ont, et toutes les institutions qui l'ont aidé à l'organisation de tout ce championnat. Oui, mais bonjour à tous. Bonjour, il y a certains que je n'ai pas vu ce matin. Alors, je ne suis pas très doué pour les discours, donc ça va être vite fait. Hein. Mais je vais déjà, comme l'a fait Frédéric, vous remercier tous, autant les pêcheurs que les accompagnateurs, parce que je pense que ce week-end, ça s'est déroulé dans une bonne ambiance de compétition et, voilà, et d'amitié. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, donc c'est bien que les compétitions se passent comme ça. Au niveau des personnes à remercier, ben, il y en a beaucoup. En premier lieu, j'ai toujours tendance à remercier les bénévoles, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, et encore que dans notre département, on n'en manque pas. Ils sont très nombreux d'ailleurs autour de moi. Il y a Joël, un habitué, Bernard, après je ne les citerai pas tous, mais en tout cas, merci à l'ensemble des bénévoles qui ont participé ce week-end, qui vous ont fait les sandwichs, qui ont fait le piquetage, qui ont fait... Et voilà. Moi, j'ai pas eu grand-chose à faire. Alors, merci à vous. Parce que pour l'avenir de la compétition, s'ils sont pas là, ça sera fait. Après, je vais remercier aussi la PPMA de Beaumont, qui nous prête bien sûr le lac. C'est un lac magnifique. Alors bon, il était plus poissonneux que ça à une époque, mais je pense qu'au final, quand même, il y aura eu des pêches bien, avec du poisson pour tout le monde. Des pêches assez techniques où il y avait des choix à faire. Donc je vais les remercier. Bon, il n'y a personne aujourd'hui pour présenter la PPMA, ils n'ont pas pu venir, ils s'en excusent. Je vais les remercier aussi la mairie, représentée par monsieur Alquier, adjoint au maire. Donc merci pour vous. Et voilà. Parce que j'ai fait le tour. Si, je vais remercier aussi ceux qui m'ont permis la dotation. Donc vous savez, là vous avez payé 7 euros par pêcheur.
Donc j'ai remis intégralement les 7 euros par pêcheur sur la partie charcuterie et la partie trophée. Et le CD82 a rajouté 270 euros, plus le pot de l'amitié. Que chaque pêcheur soit récompensé. Merci à tous. Je vais laisser la parole d'abord à Joël qui représente la Fédération de pêche du département. Oui, bonjour. Bon, écoutez, moi je ne vais pas rajouter trop. Il y a uniquement ce que je vais remercier parce que ça, le travail a été remarquable. Alors je crois que c'est ou la mairie ou si c'est la communauté des communes. Et vous avez remarqué que le plan d'eau était particulièrement bien aménagé. Tout avait été tombu. Écoutez, c'était vraiment parfait. Le travail qui a été fait a été exceptionnel. Parce qu'on y était passé, nous, la semaine dernière. Je peux vous dire que vraiment, ils avaient fait un gros, gros travail. Voilà, ben, écoutez, merci et rentrez tous bien. Je passe quand même à la mairie. Bonjour, bienvenue à Bourg-de-Lomagne. La municipalité se félicite que la compétition championnat de France se fasse chez nous, à Beaumont. Donc, je tenais aussi à féliciter tous les participants, les participantes pour cette compétition. L'année prochaine, je ne sais pas trop où ça se fera, le championnat de France, mais bon, nous on est contents que ça se fasse ici. Et je vous félicite et je vous remercie d'être venu. À la troisième place et médaille de bronze, il nous vient d'ici, d'Occitanie, région qui le représente aujourd'hui. Accueillons ensemble Jonathan Trenel. Médaille de bronze qui lui est remis par Frédéric Linard, le vice-président de la Fédération française. La coupe et le trophée par Jérôme Allison, le président du comité régional Occitanie des pêcheurs sportifs en eau douce. Vice-champion de France et médaille d'argent. Il représente la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. Je vous demande d'accueillir Benjamin Billot. Vice-champion de France, mesdames, messieurs, médaille d'argent, qui lui est remis donc par Frédéric Linard. Le trophée par le représentant de la Fédération de Tarn-et-Garonne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. J'appelle, mesdames, messieurs, le champion de France de l'édition 2023 à venir nous rejoindre. Accueillons Yann Ousset. Il y a un petit bug. Ici à Beaumont-de-Lomagne, pour l'exercice 2023, médaille d'or, représentant la Bretagne et champion de France. Nous n'allons pas l'accueillir, nous allons lui faire un triomphe. Monsieur Tony Castiglionetti. Médaille d'or qui lui est remis par Frédéric Linard. Le trophée par monsieur le maire adjoint. Et le maillot tricolore qui change d'épaule dans le même club. Remis par Yann Ousset. Ça rentre. Mesdames, messieurs, le champion de France 2023, Éric Sider. Si le podium
Il faut bien se donner la peine de venir dans le joint, la médaille d'argent et la médaille de... Oh, l'apéro. Ah ouais. Pizza, bière, à base. Voilà, fin du championnat de la première FIDER. Ça y est. Vice-champion de France. Impeccable, je te félicite. Ça y est. Voilà. C'est pas trop mal. Des regrets ou pas du tout? Non. Par rapport à, non, à tes manches? La première manche, je peux pas me battre contre les premiers numéros, oui, du 1 tout au 6. À fait, ouais. Qui ce jour-là était largement meilleur sur le tirage. Sur le tirage. Ouais. Donc je me bats au 8 et je finis faire 4e. Rien, je suis assez content de moi. Ouais. Il m'a inespéré parce que j'avais dit que j'en prendrais plus. Ouais. Deuxième jour au Z3, les pêches se faisaient en bordure. Il n'y avait pas de vent. Mmh. J'ai quand même pêché la bordure. J'ai fait des petits gardons, des petits chats. Ça m'a permis de faire 3500 points. Ouais, t'as super bien pêché. De battre du monde qui pêchait un peu plus loin tout avec des fait. Gardons. Et ouais. Le 11-12 était aussi quasi intouchable. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, je suis tombé sur un os qui s'appelle Manu Bouillon. voilà, il a pêché que la brème, il a très bien pêché. Après, c'était logique, il devait prendre très peu de points pour se maintenir. Donc la stratégie a été déjà établie. Je savais qu'il y avait les brèmes là-bas. On en avait parlé. Moi, donc, j'ai fait le tout venant comme j'ai fait là. Ouais. Et finalement, et puis, tu fais deux de secteur avec une très belle pêche également. Ouais. Voilà. Donc résultat, vice-champion de France, voilà, du 13. Très bien. Benjamin Billot. Merci Romain, super sympa. Merci d'avoir pris le temps pour toutes merci ces petites toi interviews. Pour tout ce que tu fais. C'est et sympa. Merci à mes coachs. Ouais, il faut remercier aussi les coachs. Surtout parce que. Tiens la caméra. Merci. Ouais. Dernier mot de la fin avec le vainqueur, le champion de France FIDER 2023, Tony. Ouais. Je te laisse te présenter vite fait pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Tony, je suis nouveau champion de France. Voilà, tu viens de où là? Je viens de Bretagne. Bretagne, ouais. Donc le club de Johan Housset. Le club de Johan. Voilà. Depuis 5 ans, je suis là-bas. Top. Voilà. Et voilà, ça paye. Hein. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce championnat? Dis-moi tout. Bon, il fallait bien pêcher avec un bon tirage. Ouais. Ouais, le tirage commencé était par ta première manche, c'était où? Ma première manche, c'était le noir en face. Le noir en face. Ouais. J'étais parti sur une option à 18 mètres. Il y avait quelques poissons, mais pas plus. Et après, on a vu qu'il y avait des pêches au bord à faire. Ouais, tout à fait. Je suis venu un peu tard, ouais. Mais j'ai limité la cage, j'ai fait 5. D'accord. Le samedi, du coup, t'es tombé samedi, dans le... Je suis tombé au numéro 11, qui est très bien. Ouais. Là, le bleu dans le secteur bleu? Non, dans le noir. Ah, dans le noir. Dans le noir. Le 11 et 12 étaient très bons. Ça d'accord. faisait 1 et 2 en général. Ouais. Ok. J'ai fait 1. Ouais. Et aujourd'hui, je m'attendais pas forcément à cette pêche-là, quoi. Non. J'ai fait une pêche à 6 mètres. Dans les cailloux. Dans les cailloux. Ouais. T'as pris quoi, des gardons, des chats? Non, des gardons, des brèmes. Des brèmes, ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as fait une brème, je crois, dans les premières minutes. La première page, j'ai fait une brème. La première page, j'ai fait une brème. Donc déjà, ça t'a fait du bien. J'ai mis un tas dans les cailloux. Ouais, déjà, j'ai déjà. Dit, bon, ça sent bon. Voilà. Je savais que l'aile allait être intouchable. Ouais. Mais j'ai réussi à venir faire deux avec 8000 et quelques, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait 4 brèmes, 2 plaquettes, et puis le reste de gardons et quelques chats, tu vois. Super, super. Ouais, c'était une belle pêche, mais à 6 mètres, c'est pas là, une c'est, pêche ouais, qu'on pratique c'est pas tous très, les jours. Voilà, c'est il a fallu sûr s'adapter, que... quoi. Ouais. Ouais. Maman Tony, je te félicite. Merci d'avoir pris merci. Le temps pour cette petite interview. De rien. Et je te dis à la prochaine. Ouais, merci. Hein, rentre bien. Ouais, merci. Et attention à la route. Ouais, merci. Merci.